Hello les Knackers, alors vous savez que je suis une grande gourmande, c'est plus un secret pour personne et je vous emmène aujourd'hui découvrir des saveurs de Noël, notamment les pains d'épices Fort Wenger et je vais rencontrer Steve. Bonjour Steve. Bonjour Céline. Alors tu m'accueilles aujourd'hui chez toi, chez Fort Wenger. Alors depuis quand existe cette marque qu'on connaît tous en Alsace? Fort Wenger existe en fait en Alsace depuis 1768, ici même à Gerdiller, donc c'est une entreprise familiale. C'était mes grands-parents, mes parents et donc moi-même aujourd'hui. Et on est fabricant de pain d'épices et de bredel. Super, donc il y a de quoi faire ici dans cette boutique. Là, je sens déjà que je vais repartir les mains pleines. Et puis, je crois qu'à côté, il y a le palais du pain d'épices que les gens peuvent venir découvrir en famille, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ouais. Le palais du pain d'épices, en fait, c'est un lieu ludique, interactif, en fait, qui veut en fait faire découvrir le pain d'épices aux petits et aux grands enfants à travers différentes petites activités. En fait, à la fin, on peut par exemple décorer son propre petit manala. Et c'est vrai que c'est un endroit qui plaît beaucoup à tous les petits et les grands enfants qu'on est. Et donc là, ici, on est à Gerdiller. Je sais qu'il y a plusieurs boutiques en Alsace où on retrouve vos produits. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est en train de se faire ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais, on a 8 boutiques en fait en Alsace, plus un site internet. Et aujourd'hui, oui, la grosse actualité, en fait, c'est qu'on va ouvrir une boutique à Paris. À Paris, voilà. Wow, carrément, là, c'est les choses en grand. C'est les choses en grand, voilà, sur les Champs-Élysées, juste à côté, en fait, de la maison de l'Alsace. Donc, voilà, on va faire un quartier alsacien à Paris. Ah, mais c'est génial, j'adore ça. On va faire découvrir l'Alsace au monde entier, là. C'est ça, tout à fait. Et du coup, tu vas m'emmener, là, à Paris? Bah, écoute, viens, on va aller voir la boutique. Sérieux? Bah, oui. Eh ben, allez, et c'est quoi, on y va? Vous emmène, on va découvrir tout de suite la nouvelle boutique de Fort Wenger sur les Champs-Élysées à Paris. C'est parti, on y va! Là, c'est l'inauguration, la boutique, c'est là. Ah, c'est fermé en plus. J'ai pas le droit de rentrer, s'il vous plaît. Laissez-moi entrer. Ah, ben voilà, quand c'est ouvert, c'est mieux. Entrez, entrez. Ah, l'Alsace à Paris. Bon alors Steve, tu m'as emmené à Paris. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ouvert cette boutique sur les Champs-Élysées? Bah déjà, c'est une grande fierté pour moi. Je pense que c'est une grande fierté aussi pour l'Alsace de représenter nos pains d'épices, mais également tous les autres produits alsaciens ici à Paris, sur cette belle avenue des Champs-Élysées. Voilà, en tout cas, je tenais à te remercier de m'avoir emmené vivre cette belle aventure. Franchement, pour moi, c'était quelque chose de fou aussi. Et puis, bah, bonne réussite à cette boutique à Paris. Ben, merci et surtout, vive l'Alsace. Exactement, vive l'Alsace. À bientôt les Knackers, vous savez ce qu'il faut faire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez. Et voilà. Merci Céline. Merci à toi.